Lumière, l'aventure commence, et ben c'est avant tout un formidable témoignage, puisque ben, ça va retracer toute l'aventure des débuts du cinéma à travers le travail des frères Lumière. De voir un petit peu, par exemple, comment on est passé d'un prolongement de la photographie du quotidien à de véritables petites histoires filmées qui ont leur propre petit scénario. Alors, l'avantage aussi de ce film, c'est que ça nous permet de redécouvrir la France d'hier à travers des images totalement inédites de notre quotidien, de la ville, etc., etc. Alors, évidemment, on va avoir plaisir à retrouver des films qui sont très célèbres, comme par exemple L'arroseur à Rosée, mais en fait ça va nous donner aussi l'occasion de découvrir la quasi-totalité de l'œuvre des frères Lumière. Donc c'est vraiment l'occasion, ce documentaire, de découvrir de quelle richesse patrimoniale en fait on dispose, et on a vraiment cette chance là. Pour toutes ces raisons, je vous conseille vivement de regarder ce film qui est vraiment un petit bijou.